Comme la clown de fût, c'est un peu les princes du backseat. Ah, je pense pas que ça pourrait être pire que Sea of Thieves ou Warframe. Sea of Thieves, c'était une abomination. Par contre, j'ai compris après que c'était surtout lié au jeu PvPvE en fait. Parce que dans Cycle, il y en a eu beaucoup, il y a eu plein de bannes hein, sur le Cycle. Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Non, c'est pas là. Sur le Cycle, il y a eu une chier de bannes, les gars. Oh, on peut aller là, j'avais eu. Ok. Ok. D'accord, j'ai compris. Alors. Ah eh oui, bah oui. Ok, non, il s'arrête juste dans le truc. Ah, on peut juste le percuter. D'accord. Merde, oh, putain, c'est chaud, ouais. Ah, bah c'est payant, ça passe. Non! Putain. Ah, nique ta mère. Wouh! Le bec? Ok. Ok. T'as assez de points de gêne, ça va aller? Oh, un bec. Salut, Hiro. On va le mettre là, évidemment. Avec ton bouclier, renverse les créatures aux pointes acérées. Avec ton bouclier, renverse les créatures aux pointes acérées. C'est juste que je demande aux gens de réfléchir. Je sais. Et oui, que ça va partir. Je sais pas si je peux lui bloquer ça. Peut-être la première mort, le chat. Vous allez assister à la première mort en direct, je pense, là. Le fail arrive. Le fail arrive. Allez. Si une porte reste fermée devant toi... Oh, oh putain. Oui, c'est bon. Mais j'ai pas envie de les tuer, ils sont trop mignons. Oh. Ok. Avec ton bouclier, renverse les créatures pour t'insérer, d'accord. Ah oui, ok, d'accord, en fait, c'est juste que je peux faire... Maintenant, ils vont tous me parler, d'accord. Oh putain. Ah, y'a la plateforme. Je pensais qu'il y avait pas de plateforme pourtant. Ah, y'a pas de plateforme. Okay. J'aurais jamais imaginé qu'ils mettent en niveau... Des niveaux... Un du 2D sans plateforme, c'est ballsy, hein. Du 2D sans saut, c'est très ballsy, hein. Alors la plume, vous avez obtenu la plume de Rock. Soudain, vous vous sentez tout léger. Oh là là, c'est-à-dire. Il veut pas me dire comment l'utiliser ? Merde. Merde, non. Oh, c'est les esquives ! Oh, c'est trop bien ! Oh, bah si, il y a un saut. Il y a tellement de latence dans l'anime pour le coup. Mort de rien. Ok. Je sais pas s'il y a autre chose là-bas. C'est tellement mignon ces petits sauts. Ah, je me rappelle où je dois aller. Ah, on peut quand même pas passer où on veut. Attends, j'ai deux chemins possibles là. J'ai ici à droite. Ok. Plus j'ai une clé.
Nice, nice. Ah, ça quel compas. Oh, clé du boss, déjà. Ok. Bon, toi par exemple, pour le coup, pour l'instant, les énigmes de celui-là, ça me va. C'est vrai, après le champion, en plus, je m'en rappelais qu'il brillait, mais c'est vrai que ça m'a pas... J'ai pas dû lire, effectivement, la sorcière. My bad. Là, ça va, là, j'en suis sorti, pour le coup. Bon, si je tue le boss, je vais me manger un truc, hein. J'ai la dalle. J'ai la dalle. Merde. Ah, mais merde. Bon, hein, zut. Voilà. Bonjour. Pas le boss, ça, si. What? Ok, j'ai compris. Règle de 3 ou pas? Bim! Trop de puissance. C'était pas le boss, ça. C'est quoi, ça? Ah non, je trouve la clé du boss. Attendez. Putain. Je sens que je vais le regretter. Hein. C'est un moyen au début, genre. Putain, c'était sûr. Ah putain. Ah mais attends, c'est peut-être dans les deux sens. Ça va. Sauvé. Ok, on va quand même fouiller avant d'aller voir le boss. Quand même, on explore un peu le chat, rassurez-vous. Aussi simple que ça. C'est suspicieux, cette histoire. Des squelettes pendus et tout, c'est super suspicieux, cette histoire. Trois cœurs, j'en ai déjà. Bon, c'est parti. C'est parti pour le premier boss de ce Link's Awakening, cher viewer. C'est parti. Grrr, un intrus. Gigantelle. Ok. Ça va. C'était accessible. C'était jouable. C'était jouable. Ça va. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur trop long. Yes. Wouh, j'ai 4 cœurs. Ça va, c'était Eh oui, la musique toujours, bien sûr. On va la porter à la petite fille peut-être. Vous avez obtenu le violon des vagues. Ouais, en tout cas, elle va nous apprendre à en jouer. Ça va, hein, je me suis donné hein, le chat, mais globalement, ça allait, ça allait, ça allait, ça allait. C'est très mignon en tout cas pour l'instant. Je vais me faire un truc à manger, comme ça je pourrais me faire un petit lit. Marais, une nouvelle voie s'ouvrira à toi dans le marais fleuri. Bon bah écoutez, bon choix ce Link's Awakening. Link's Awakening, Odyssey... Putain, vous savez que je vais enfin faire les DLC d'Odyssey. Pour ça, je suis trop heureux. Le run connasse, version Darkrun, plus les DLC. Ça va être trop bien. On va faire ça va être trop cool, c'était le chat. Ça va être trop, trop cool. En dual PC, là, j'ai quand même quasi en pas de drop, donc c'est quand même mieux, quoi. Ou c'est un des instruments des sirènes. Tu es brave, je t'avais sous-estimé. J'espère que tu sauras me pardonner. Cet instrument utilisé avec les 7 autres... Oh putain, le pouvoir de réveiller le poisson rêve. Il faut donc à présent... Putain, il y a eu 7 instruments encore. Va au marais des anémones situé au nord. Bon, ça, au moins il m'a dit où aller. Marais des anémones au nord. Au nord, marais des anémones. On s'en rappellera. Petite pause. Je vais aller me manger un petit truc. J'ai la giga dalle. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure. Attendez, hop, ça c'est bon, c'est bien à jour ou pas? Et merci à Jumera pour le follow. Pourquoi j'ai pas vu ton follow? Je suis désolé, je l'ai pas entendu. Merci beaucoup à toi, Jumera. Ah mais t'as écrit en plus.
Ah, t'étais un vieux follow, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'annonce. Autant pour moi. Tu dates de... Ah, un viewer de haut. On verra bien. Rebienvenue à toi, en tout cas, Jumeira. Alors, je me fais un truc rapide, hein. J'arrive. J'arrive, viewer. Ah, tout de suite. Et re tout le monde. Bon, bah finalement, je suis en train de me préparer un bon gros poulet patate. Finalement, j'ai la dalle. C'est le poulet patate qui arrive. J'avais trop faim, là. Hop, tac, tac, tac. Ok, on est bon, on est bon. On est reparti. Désolé de l'attente. J'ai même plus le temps de répondre à des trucs. Merde, non, 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 non. Ok. Alors, marais des anémones au nord, j'ai pas oublié. Anémone, nord, anémone, nord. Ah mais attends, mais maintenant que j'ai le saut, j'ai bloqué plein de trucs, je pense. Oh là là. Ah mais attends, mais maintenant que j'ai le saut, ça donne envie de fouiller d'autres trucs, quoi, quel enfer. Bien sûr, dans tous les cas, faut aller au nord, on va voir ça. Bah, cette animation de saut, elle me fait quand même bien marrer, hein. Ah, il s'est passé quoi, ici? Oh là. Est-ce que quelqu'un joue à... je ne sais pas. Moi, je l'ai fait, pour le coup, mais c'était à la manette, hein. Désolé. Monsieur, c'est terrible, c'est horrible, et ben, ouais, c'est terrible, il y a des moblins, et ils sont devenus au village. Il y en avait plein des moblins, et puis tant pis, ils sont entrés dans la maison qui est juste là, et puis ben, ils ont fait... Un truc dans la maison où il y a toutou, ouais. Et ben les moblins, ils ont... Oh putain, ils me fatiguent. Ils ont fait quoi, les moblins? C'est quoi un moblin? C'est les mères bleues, là? Bibliothèque. Ah bah bizarrement, ils sont pas venus là, hein. Non, faut que ça foutre. Bizarrement, les moblins, ils sont pas là. Ah plus tard, Spooky, ça a déjà dû partir, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que ça, bizarrement, pendant les pillages, il y a jamais de bibliothèques qui sont pillées. Au secours, quelle horreur, Toutou a été chien nappé par les moblins. Oh, j'ai oublié son nom, le vroom vroom là. Comment t'as dit, Jay-Z? J'ai oublié le nom. Le vroom, non, vroom, blombe, v-bombe, bleu, je sais plus quoi. Et toi, le petit, tu vas bien? Wif, 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 ça va, il va bien. Une torche et tu passes à une autre maison, hein, c'est ça. Ah bah il est un chomp, c'est ça, merci. Examiner. On dirait qu'on peut... Une plante piranha, d'accord. T'es paumé, téléphone, à pépé le ramolo. Oh, putain. Un chomp, hein, c'est ça. J'ai la dalle. J'ai la dalle. Ah, c'est ça, le problème de se lever tôt, c'est une arnaque de se lever tôt. Parce qu'après t'as la dalle, hein. Quelle idée à la con, hein. Ils ont été où alors? Et elle m'apprend des trucs maintenant. Link, Tarkin fait la sieste à la maison. Bon, je préfère. Pourquoi pas la balade du poisson rêve? Digite le coq volant. Bon, faut aller au nord. Le nord, c'est en haut. Y'a quoi ici? Ok. Putain, 4 gamins. Quel enfer. Je sais que j'ai une juveuse qui avait 5 gamins. Je sais pas comment vous faites, hein. Bon, c'est vous de la... Je suis un gosse, ok. Bon, c'est où le nord? Ok, non, ça je peux pas. Ah, pétard. Ou alors, faut que je retourne dans la forêt, peut-être. Dans la forêt, il y avait d'autres passages. Peut-être ça. Oh, tiens, attendez. Oh! Oh bah nice! Oh bah nice! Fragment de cœur, ok. Oh bah écoutez, cool ça! Eh! 500 IQ? Trop bien. Donc ils ont volé son chien. Ils ont envahi des trucs. Quel dommage quand même, le 30 FPS. Je le ressens parfois. Dans la zone. Oui, bah attends, zone de la forêt après le tronc. Non mais moi je voulais tester ce que j'avais vu les sauts que je pouvais faire. Il a dit il faut aller au nord, je vais tout droit. Hop. Oh le dodge, incroyable, quel talent. Il y avait des trous auxquels je pouvais pas aller initialement, maintenant je peux y aller. Hop. Et ouais maintenant je peux faire, je peux aller revenir d'ici. Ah bah voilà par exemple, abîme. Marais des anémones. Oh je suis trop fort. C'est quoi ça?
Pas mal quand même la musique de Zelda, hein. C'est pas dégueu comme truc, hein. Alors, y'a quoi ici, hein? Parce qu'il y a, un chomp. Oh là. Bonjour, je suis l'aimable Dr. Wright. Mon hobby, c'est d'écrire des lettres. Oh, il a pas de réponse à ses courriers. Oh. Et le pigeon, il fait quoi? Rien du tout. Il envoie plein de lettres et personne lui répond. En même temps, c'est chaud de recevoir des lettres d'inconnus. Oh putain. Hop. Ah mais non. Putain, le bouton. Oh, je me suis fait pépon. Va y avoir l'animation à chaque fois là du fragment de puissance, c'est trop lourd. C'est quoi cette chose? Clic, Pépé le Ramolo. Pépé le Ramolo à l'appareil, je sais toute cette île. Si tu le perds, passe-moi un coup de fil. Tu sais, monsieur le pleur des mobiles vit dans la forêt, on en trouve aussi dans une grotte du plateau Tartare. Ok. Ah ouais, ok, t'as vraiment un truc, genre tu passes un coup de fil à Pépé le Ramolo. Et il te donne des indices quoi. Ok. Ok, ok, ok. Marais les anémones. Ah bah voilà. Avec ça interdit sauf à toutou. Oh, il a volé lui. Bon. Pas compris. Hein. Breath of the Wild, il est en 30 FPS. Merde, 30 FPS aussi ou pas sur Switch? Oh, je suis tellement content que Odyssey soit en. En 60 FPS maintenant sur la PS5. Putain, je vais crever parce que je comprends pas ce qu'il faut faire. Et ben voilà. Première mort. Première mort parce que je suis trop bête. C'est dur d'être bête, hein. C'est pas facile tous les jours, hein. C'est pas toujours facile d'être un idiot. Non, non, non. Mais putain, mais... Faut juste tout dodge. Mais quel enfer. Merde, non, non, non. Mais quel enfer. Cette petite tête rouge. Ah, le marais des anémones, c'est le marais de l'enfer. Hein. Le jeu t'a backseat en plus. Ah bon? What? Il a dit quoi le jeu? M'a juste dit sauf à toutou. Ouais, mais j'ai pas toutou. Il s'est fait chien de napper. Je sais bien, mais il s'est fait kidnapper, toutou. Tu veux que je fasse quoi, moi? Oh, il s'est fait kidnapper, moi, toutou. Faut que j'aille plus tard, donc ça veut dire. Quelle enfer. Quelle idée de se faire chien napper aussi. C'est ça, ouais, interdit avec. Ah, je peux peut-être aller là. Oh. Ah ouais, c'est ça que je peux aller dans la maison aussi, hein, pour l'instant. Bon, faut retrouver toutou alors, c'est fait chien-napper par les moblins. Les moblins, je sais pas comment on dit. On va d'abord aller en haut. Oh, un hibou. Cordillère tartare. Rends-toi près de l'œuvre sacrée d'une mélodie, tu le feras réagir. Okay. Ouais, je me suis dit qu'il fallait que je prenne une voix un peu stylée pour ça. Bon, ça va être là-dedans. Je dis que j'avais faim. Oh putain. Un peu loin avec ça. Wouh. Wouah. Des rubis. Ouais, trop bien les rubis. Alors. Ah bah je suis content. Ah bah je suis joie, cher viewer. Ah bah ça c'est voilà. Il me fallait ça. Ouais, forcément, ouais.
Eh putain, ça va être d'énigme en énigme. Hein. Je sais pas où il s'est fait kidnapper, moi, toutou aussi, là, ce con de chien, là. C'est quoi ce clébard débile aussi, là? Vas-y, crève-toi. Faut le tenir en laisse, le view. Il m'a dit d'aller au marais des anémones, et là, je peux pas y aller. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Non, mais les énigmes, elles sont super chaudes en vrai, le chat. Attendez. Elles sont super tendues, les énigmes. On est d'accord. C'est de l'énigme hardcore. On va aller voir s'il n'y a pas le clébard par là. Ah. Wouh ! Et le 3. Plus que 1. Ah, peut-être par là. Plateau tartare. Ah oui, il m'a dit qu'il y avait des moblines au plateau tartare. Ça peut peut-être... Ah. Le poisson rêve n'a du poisson que le nom. S'il fend les airs, il n'en est pas davantage un oiseau. C'est vrai qu'il y a des moblines au plateau tartare. Donc ça veut dire qu'il y a des moblines au plateau tartare. Et c'est ceux-là qui ont... Qui ont pris le toutou. Et il me faut le toutou pour aller aux anémones. Ça doit être ça. Ok, je pense que j'ai compris. I'm a genius. I am very very smart. Enfin j'espère. Vous êtes près du plateau tartare, la cabane d'Igor est juste là. Bon, bon, on va aller voir Igor. Salut Igor. Qu'est-ce que tu veux de tige? Les préparatifs sont pas terminés, alors je peux pas encore te laisser rentrer. Ok, il va falloir sûrement lui ramener un truc à lui. Hop. Bon, ça va être le plateau tartare. C'est parti. Donc je suppose que je vais libérer le clébard qui va m'aider ensuite. C'est qui ce reluquet, les gars? Débarrassez-moi vite de lui. Ok, vague de mobs. Ah ouais! Nice! Oh putain! Tu es venu chercher Toutou! Ah, c'est bien ça! Oh là là, trop fort! Tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Miaou Miaou! Salut Moon! Je vais te donner une bonne correction! Richard? Classique! Ouais, les émulateurs, c'est de la merde. Ah merde! Ah le salaud. Bon, règle 2-3 comme d'hab. Je sais pas moi ce qu'il faut dire. Voilà, classique règle 2-3. J'ai essayé Mouna, eh hey, dis-toi j'ai été giga patient hein. J'ai, je crois que j'ai tenu presque plus d'une heure pour essayer de configurer le bordel. La patience incarnée hein. Entre la manette, le jeu et tout. Ah mais c'est Toutou. Vous avez votre Toutou, Toutou il a l'air féroce. Ouais mais c'est un gentil Toutou, c'est un bibou de toute façon, les bibous c'est toujours gentil hein. Ah mais c'est bon il est libre, allez viens là. On va le ramener à Madame Miaou Miaou. Ou je vais peut-être le prendre directement avec moi aux anémones là. J'ai libéré, il peut bien me servir un truc. Par contre tu le balades vraiment en laisse, genre en mode suis-moi quoi. Tu connais ça, une heure à essayer de... Ah bah j'étais vraiment chaud d'y jouer hein. Ah là, y'a Nuggets. Ah y'a Nuggets ouais. J'étais vraiment chaud d'y jouer à toi princesse. Après ils ont l'air cool aussi hein. Et on a déterminé le programme à venir d'ailleurs à Moon. Tu vas être intéressé hein. N'oublie pas, le deuxième instrument se trouve au marais des anémones. Yes. On a le programme à venir pour les semaines à venir, Moon Moon. Donc, on va faire Link's Awakening. Je vais essayer de le finir en 3 lives. En gros, le but du jeu, c'est de le finir mercredi soir ou plus tard, Link's Awakening. Ensuite, donc, on passe sur Assassin's Creed Odyssey Dark Run. Vénère, hein, en mode 8 heures par jour, hardcore. Et ensuite, on passe sur Zelda Breath of the Wild. C'est vrai que je vais faire 2 Zelda cette année, donc on va être en plein dedans. Ah!
Attends, là, il y a la bouffe qui est prête. J'arrive.